Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous découvrons un tout nouveau mode de jeu, Assassination Classroom UHC. Mais avant, quelques petites informations importantes. Première annonce, je reprends activement les streams dès ce soir 21h, où je ferai d'ailleurs une game de Assassination Classroom UHC avec vous. Le lien de ma chaîne Twitch est en description, je compte sur vous pour être présent ce soir. Et si ça vous intéresse, je reprends activement les games Viewer et Sub, donc si vous voulez jouer avec moi en Wano UHC, Assassination Classroom UHC, AOT UHC, MHA UHC, etc., je vous invite à rejoindre mon Discord qui est également en description. Et enfin, j'ai depuis quelques mois deux nouveaux réseaux, Instagram et TikTok. Sur Instagram, je fais régulièrement des stories, avec notamment ma tête, où je partage un petit peu ma vie et réponds à vos questions. Mon compte c'est pegaphil.irl, le lien est en description également. En ce qui concerne TikTok, il y en a déjà deux disponibles, je vous laisse aller les découvrir. Mon compte c'est pegaphilyt, on est déjà plus de 1000 là-bas, le lien est également en description. Ceci étant dit, revenons au sujet de la vidéo, Assassination Classroom UHC. Le mode de jeu est très simple, être la dernière équipe en vie. Et oui, vous avez bien entendu, nous parlons ici d'équipe. Et plus précisément une équipe de 7. Et donc chaque équipe est composée de 7 rôles uniques inspirés directement de l'anime. Vous pourrez donc retrouver vos personnages préférés comme Koro, Nagisa, Karma et Karasuma. Et un peu à la manière d'un Death Note, nous retrouverons deux méchants directement infiltrés dans notre équipe. Ici Shiro et le Shinigami. Cependant attention, le Shinigami est ici un personnage à part entière dans le manga. Pour ceux qui ont vu l'anime, vous le savez déjà. Mais pour les autres, je préfère le spécifier pour pas qu'il y ait d'incompréhension. Et enfin le dernier personnage qui peut gagner également tout seul mais aussi avec son équipe est Kayano. Encore une fois, au fur et à mesure de la partie, nous allons découvrir de nouvelles mécaniques et stratégies de jeu. Et la première, vous vous doutez bien, est en rapport avec Koro. Koro est le professeur de cette équipe, de cette classe d'assassins, et de ce fait, tout le monde connaît son identité, y compris pour les Koro des autres équipes. Il doit évidemment gagner avec son équipe, cependant s'il meurt, il entraînera la mort de toute son équipe, sauf les méchants, évidemment. Pour éviter que cela arrive, tous les gentils de notre équipe doivent évidemment le protéger. De plus, dès l'annonce des rôles, il obtiendra Speed 1 permanent, ainsi qu'une tentacule qu'il pourra utiliser toutes les 5 secondes, et qui lui donnera l'effet speed 2 et régénération pendant 3 minutes. Pour cette partie, je serai en équipe avec Flumit, Geek, Eroriz, I'm Blue Diamond, Luvolt et New Lele. Nous allons découvrir ensemble les mécaniques de ce nouveau mode de jeu et les particularités de tous ces nouveaux rôles. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne vidéo. Bonsoir! Comment ça va? Est-ce que vous êtes au bonheur? Oh là, ça c'est une belle question. Je peux pas t'y répondre. Alan! Je sais pas frérot, pourquoi t'as pris des dégâts là? Voilà, j'en ai pris un, voilà. Hop là. Wesh, wesh, comment ça tu taxes ma table? Comment ça? Comment ça? Comment ça tu taxes ma table? Comment ça? Il est fou lui. Tu penses avoir quel rôle? J'aimerais bien être Koro ce soir. Koro, un rôle gentil, tu vois. Avec New Lele. Et en fait, je vais être avec toute ma team. Laissez-moi m'enterrer tranquillement. Ah, ici, je le sens bien. Vous savez quoi? Là. Là. Ici. Là. Ici c'est la bonne cave. Les rôles dans une minute les amis. Allez dites-moi si c'est un bon rôle. Et pitié. Let's go. Le bonheur. Le bonheur. Et dites-moi qu'il y a New Lele en Koro. Allez pitié. Oui. Let's go. Nous sommes donc Nagisa. Je dois gagner avec mon équipe et vous l'aurez compris, je dois protéger mon Koro qui est New Lele. Ma grande particularité est que je possède une dague avec laquelle je pourrai paralyser une personne lorsque je frappe avec. Et ce pendant 10 secondes sauf Koro. Je possède également une commande, le slash abandon, disponible à partir de l'épisode 4 qui donnera l'effet résistance à New Lele si je suis proche de lui. Mais en contrepartie, je perdrai ma dague. Je suis donc en équipe avec Karma, Karasuma et potentiellement Kayano. Karma possède des potions, à savoir Instant Damage 2, Wither 2 et Blindness 1 pendant 6 secondes. Aussi, lorsqu'il est en dessous de 6 cœurs, il obtient l'effet force. Et enfin, il donne l'effet de weakness à tous les Koro autour de lui, sauf le nôtre. Karasuma, quant à lui, est l'enquêteur de l'équipe. Il dispose de 2 livres protection 3 et une commande slash enquête qui, lors de l'activation, lui permettra d'enquêter la personne le plus proche de lui. Néanmoins, son enquête n'est pas 100% fiable, car Nagisa et Kayano, même si elle est méchante, apparaîtront innocents, alors que Shiro, Karma, qui est pourtant gentil, et Shinigami apparaîtront suspects. À la fin de sa première enquête, Karasuma a 2 possibilités. La première est de révéler son enquête à Koro, et dans ce cas-là, il est certain que celui-ci aura confiance en lui. Ou alors officiellement garder le résultat de cette enquête, et dans ce cas-là, il aura la possibilité d'en effectuer une deuxième. En ce qui concerne les méchants de notre équipe, nous aurons le Shiro, qui doit gagner avec tous les autres Shiro de la partie. Il connaîtra les identités de Kayano et Shinigami. Il aura des potions de poison et d'instant damage qui disparaissent lorsqu'il se reveal. Et évidemment, lorsqu'il se reveal, tout le monde connaîtra son identité et il gagnera une pomme en or. Le deuxième méchant est le Shinigami, et celui-ci doit gagner tout seul.
Il n'a pas de particularité, mis à part le fait que lorsqu'il se reveal, il gagnera une pomme en or, ainsi que les effets Speed 1 et Invisibilité 1. Et ce, de manière permanente. Et également, lorsqu'il est reveal, il pourra utiliser son carnet, mais dans ce cas-là, il perdra son effet d'invisibilité, mais obtiendra 5 pommes en or. Et enfin, la dernière méchante à l'annonce des rôles est Kayano. Elle dispose d'une tentacule qui, à son activation, lui permettra d'avoir Speed, Force et 4 cœurs supplémentaires pendant 3 minutes. Elle dispose également d'un flanc qui, lorsqu'elle le drop, lui donnera 4 cœurs d'absorption pendant 30 secondes. Et comme tous les autres, si elle se reveal en étant Kayano, tout le monde connaîtra son identité, mais elle gagnera une pomme en or. Maintenant, vous vous demandez sûrement comment Kayano peut gagner avec nous. Eh bien, c'est une des mécaniques de Assassination Classroom UHC qui peut bouleverser complètement le cours de la partie. Nous reviendrons très rapidement dessus lors des prochaines minutes. Pour le moment, allons retrouver notre Kuro et notre équipe. Niulele ! Mon frère ! Le bonheur ce soir ! Alan, je sais que t'es méchant, fais gaffe à toi, j'arrive. Ma game, ça pue la merde déjà. Ah ouais? Ouais. Les deux sont safe. De sûr? Comment se fait Tess? Les gars. Ouais. Dis rien, Alan. Non, bah, je dis rien. Dis rien parce qu'après c'est bon, frère. Ça va dire des mots et tout. Vous avez la table ou quoi, les gars? Moi, je pense pas. Il y a vraiment tout le genre de galère là. Zéro. Vous avez du. Ah ouais, non, mais Alan, non. J'ai du mal à croire leur histoire que ça fasse confiance dès le début. Faut faire gaffe quand même. Parce qu'attention Alan. Hein. Attention Alan. À tout moment, il nous la met à l'envers. Faut faire attention. Faut rester sur nos gardes. Mais si jamais ils ont déjà confiance en eux, ça voudrait dire que dans Geek, Heroriz et Flumite, il y a deux méchants de sûr, dont un peut-être. Ah. Heroriz est mort. Très grande chance que les deux autres soient méchants. Niulele ? Ouais, Pega ? T'as la table ou pas, mon frère ? Ouais, Fais gaffe à. Fais gaffe à Geek, hein. Il a pu faire un pacte ou quoi, faire gaffe. Hein. Écoutez les mecs. Ouais. Geek, là ou pas, je vous dis ce que je pense. De son point de vue, à Geek, il était avec Flumite pas loin. Flumite aurait buté héros. La et Flumite ne me demande pas l'écho depuis tout à l'heure, donc c'est quand même bizarre, tu vois, Flumite fait aucun effort. Mais moi, je trouve que c'est pas le genre de Flumite d'attaquer dès le début, donc voilà. Je tenais juste à dire ça. Ouais, faut faire gaffe à Geek, hein, les deux peuvent être méchants en fait, hein. Ils peuvent essayer de s'infiltrer avec un pacte ou quoi, faire gaffe. Faites, pensez ce que vous voulez, moi juste vraiment, je vous ai dit ce que je savais, maintenant ça vous dit. Faire gaffe aussi, parce que la Kayano, notre équipe, les gars, on sait toujours pas ce qu'elle a fait, hein. Tu peux venir avec moi? Genre, je voudrais te dire un truc en français. Allez, à plus les mecs. Adieu les mecs. J'arrive. Ouais. C'est parce qu'il s'est passé un truc de mon côté. Attends, je peux te dire un truc? Attends, juste, je peux te dire un truc. Tu sais que si tu chuchotes, tout le monde t'entend quand même. Ouais. Ok, donc c'est peut-être Kayano en fait. C'est peut-être Kayano. J'avais cru comprendre tout à l'heure. Bah mec, si c'est impossible. En tout cas, frérot, Geek, pour la discrétion, discrétion sur 20, frère. Apparemment, d'après Luvol, c'est impossible ce qu'il vient de te dire. Ah ouais? Ah ouais? Ah, c'est impossible. Ah, chips. Ah, c'est pas Kayano alors? Tu te fais passer pour. Aïe. Je me fais passer pour. Kayano. Mais qu'est-ce qu'il branle, lui? Il a toujours. Tu te fais passer pour Kayano parce que là, le truc que tu dis, en gros, c'est que t'as refusé un pacte. Sauf que si tu refuses un pacte. Et ah non, c'est pas refusé un pacte. D'accord. Accepté. Je l'acceptais en fait, les gars. Ça n'a rien à voir avec une histoire de pacte. T'inquiète. Nous y sommes, les pactes. Le seul et unique qui peut proposer des pactes est le Shiro. Il peut dans un premier temps proposer un pacte au Shinigami. Si celui-ci l'accepte, il devra gagner en duo avec le Shiro et recevra 3 tentacules. Cependant, attention, une fois le pacte accepté, Shiro et Shinigami seront révélés une minute après. Mais s'il est refusé, Shinigami connaîtra l'identité de Shiro et en plus, Shiro perdra ses potions et ses tentacules. Et Shiro peut également proposer un pacte à Kayano. Si Kayano accepte le pacte, elle récupérera 3 nouvelles tentacules et connaîtra également l'identité de Shiro. Mais si elle le refuse, c'est là qu'elle pourra gagner avec l'équipe de Kuro et donc avec nous. Mais dans ce cas-là, Shiro récupérera 3 nouvelles tentacules. Et ici, justement, avec ce que disait Geek, nous pensions que c'était Kayano qui avait refusé le pacte et devait donc gagner avec nous. Mais Luvolt a tout de suite rebondi en disant que c'était impossible. Ce qui voudrait dire que dans ce cas-là, c'est Luvolt Kayano qui a déjà refusé le pacte. L'incompréhension et
la tension monte grandement dans l'équipe et elle n'est pas prête de redescendre. Et t'as entendu Alan? On est trois. Il y a Flumite qui nous parle là. Ah ouais? Ouais. Il est au-dessus ou à côté ou je sais pas où. Oui mais attends. Mais peut-être que c'est attends Alan, le tue pas parce que peut-être que c'est l'inverse de Geek hein. Attention. Flumite part dans ton micro frère. Attends, le mec que t'as tué, il est chini, t'as dit? Oui, il était chini, il m'a dit faut pas m'attaquer. Déjà. Et j'ai mis 11 tirs dans un coffre en haut, parce que s'il vous en manque. Voilà. Oh, ça veut rien dire, ça. Ok, donc t'es avec nous? Bah, techniquement, oui, je fais pas confiance, donc je vais pas essayer. Et pourquoi Geek dit que t'es méchant? Parce que c'est l'un des deux alors. Parce que Geek a dit que c'est toi qui l'as sauté. Ouais. C'est l'un des deux ou les deux players. Attends, mais comment ça t'as sauté deux mecs, Fumi? T'as pas tapé Geek alors Geek dit que tu l'as saucé. Non, Pega. Si, il a dit qu'il s'est fait saucer par Flumite, si. Et que toi tu dis. Ouais, non mais c'est Geek est bizarre. Hein. Les deux sont bizarres, c'est vrai. Entre vous, il reste quand même minimum un chiron. Oui, bon. Ah! Bon, bah. Moi je sais pas, les gars, je suis désolé, je prends pas part à ce fight. Bon bah. Ça te dit pas. Bah il a rien dit quand même. Mais non mais dans tous les cas il sera gentil méchant, il a rien dit. Flumite passe-moi au moins deux gaps pour te faire pardonner. Bah alors j'ai donné à lui T'as qu'une cape. Y'a coup sous rush les gars, moi je vous le dis. Flumite il va nous la mettre à l'envers les gars. Je suis trop bien. Ah mais c'est gentil hein, placeron P3 c'est gentil hein. Ah, Placeron P3 c'est le rôle à info. Faites gaffe à Flumite les gars, moi je vous dis parce que écoute ce qui s'est passé. Il a tué Geek, Geek l'a attaqué, ok. Il avait Flumite l'a tué, sauf que il avait un plastron P3, le mec Geek. Ah ouais. Et le plastron P3 tu peux l'avoir que si t'es le rôle à info. Donc ça veut dire que vraiment Flumite, il y a genre 90% qui sont méchants. Mais ça voudrait dire que Flumite aurait attaqué le premier là, héros. Et ça veut surtout dire qu'il y a mais moi j'ai du mal à y croire ça, Flumite c'est vraiment pas le genre d'attaquer au début hein. Bah ouais, il y a souvent un méchant parmi vous minimum. Ouais, entre Luvolt et Luvolt, il y a un méchant. Non, la tête, écoute-moi bien, mais t'avais pas dit que t'avais 100% confiance en Luvolt, Mlo? Bah maintenant non, en fait. Parce qu'en fait je suis en train de dire un truc. Okay, j'en étais sûr qu'il y avait coup sur rush. Si l'autre vraiment, il a le plastron. Oh là là, j'aime pas ces histoires les gars. Pour moi, il y a forcément un méchant. Non, mais moi, je te le dis, je vais. Les gars, écoutez-moi. Moi, je vais vous prouver. Je vais vous prouver. Non, mais écoute, je vais vous prouver en fight, moi. Je vais vous prouver en fight que je suis gentil. Donc, moi, je peux le prouver maintenant, mais c'est toi, en fait. Frère, ça me rend fou parce que déjà que j'ai pas grand chose à me casser, moi aussi, là, je me casse le crâne. Hein. Bah, c'est pour ça. C'est... Donc, ça veut dire qu'il y a. T'as peut-être raison, Lulu. Peut-être une pute et Flumi. Peut-être les deux, les gars. Ouais, mais. Parce que Geek l'était pas dessus, hein, les gars. Fais gaffe à. Non, mais il faut qu'on joue ensemble, toi qu'il arrive. Vas-y, Lulu, qu'est-ce qui branle, frère? Luvolt est bizarre mon frère. Je suis sûr à 100%. Qu'est-ce que tu fous? Premier kill, c'est pas fini de quel mytho. Je suis sûr à 100%. Il est en train de dire. Ouais mec, il est en train de dire je bug. Quel menteur. Il a combien de ping? Il a 20 de ping frère. Comment ça tu bug? Sale mytho va. Frère, j'ai il y a que moi qui ai le droit de dire. Arrête parce que il croit que t'es. Je suis sûr. Vas-y, laisse tomber, j'ai pas le droit de parler de toute façon ici. T'es une salope, tu voles! Pour moi, t'es méchant. Regarde-moi pendant. T'es où? Merci. Ah, bah y'a des mecs! Hein? Ouais? Vas-y, go! Ah, bah enfin, on allait pêcher! Mais je l'ai pêché, moi! On allait pêcher, bonsoir à tous! Bah oui, frérot! C'est la plus grosse team direct là! Ils sont beaucoup, hein! Ouais, ils sont beaucoup, mais bon, vas-y! Ouais, on y va, hein! Moi, j'ai pas d'arc alors! Ah, j'ai pas de flèche! Moi, j'en ai! C'est terrible. Les gars, tu veux te faire un arc là du coup ou pas? J'ai des filles. Oh, mais Luvolt, c'est la pute, les gars. Ça y est, frère, tu passes devant moi. Ah oh. Je me fais un petit arc vite fait. Laissez-les tirer tout le monde. Laissez-les tirer, après on tire. Ouais, attendez, je peux pas tirer de toute façon. Regarde, frère, il tire dans le vide, récupère les flèches, tranquille. Vas-y, go, on y va. Vas-y, j'arrive, Alan. Allez, go, on une cap qui va me carry. Ouah. Le mythe Shinigami. Oh, je peux chier. Oh là là, ça claque là. Oh le Shiro. Les gars, interdiction de mourir, ok. Le vote, il est Shiro. Ah, c'est un mode TP, je suis paralysé. Ah merde. Ouais, bon. Le vote, il est Shiro, les gars. Allez. Alan, viens. Ah ouais, toujours. C'est genre combien de temps, frère? C'est bon. Quoi? Alan, pourquoi t'as FK là? 2 secondes, t'as fait quoi? J'ai pas FK, frère, j'ai en mode T'as accepté un pack là? Mais non.
Ouais, regarde frère, ça va être Pega. Pega, tu vas te faire saucer. Hein. Okay. Non, non, mais t'inquiète, il est pas là. Ok, bien. Ok. Attends, je prends les gars. Vas-y. Ok, j'ai tout. J'en ai deux, je te dis, j'en ai deux. Vas-y, tiens. Vas-y, go, j'arrive. J'arrive, Alan. Mais ils sont beaucoup, par contre. Oh, le karma, là. Ils sont nommés, toi. Je sais pas. Faut qu'on tire, on est pas assez. Ok, t'inquiète, je suis là. Ouais, t'inquiète. Si t'es dans le mal, dis-moi, frère. Hein, je m'en non, t'inquiète, j'ai une perle, de toute façon. Vas-y. Carré. Vas-y, on y va. Viens, on y va. Ok, vas-y, je suis là. J'arrive. Attends, tech, il est parti, Fox. Putain, mais gros. Je suis à speed 2, toi. Oh, j'ai fait la même, Alan. Oh, tête de homme. Bien joué. Non, on continue, on continue. J'ai pas récup. Non, c'est toi qui récup, Nuné. Bah, j'ai récupéré qu'une gap alors. Hein. Oh, j'ai une flèche qui est partie. Fais gaffe, il fait mal. Hein. Ouais. Fumi, t'es mort. Oh, il fait trop mal. Ça, c'est trop mal. T'as pris ta tentacule, Nuné? Non, pas besoin, frère. Fais gaffe quand même. Après, je peux la prendre là si tu veux. Mais... Ouais, prends-la en vrai, vraiment, faut le one-shot. En vrai, je pense que c'est worse. Hein. Je sais pas si on met. Oh les gars, je viens de réaliser pourquoi il avait speed 2 lui. Bah oui. Ah ouais, gros. Non, j'en ai marre possible. De moi. Ah ouais, il lit suis... ton rôle, Nulélé, pitié. T'as des gars pour pas qui. J'en ai une et H à moins 5 heures. Ok, bon bah c'est un peu la merde. Il faut que c'est là-bas, mais je c'est qui nous a. Qui nous a, comment dire, cherché tout à l'heure là. C'est Foxtec. Ok. Là. Bah, je... là, c'est chaud là. Hein. Ah oui, là, t'es mort, frérot. Voilà. Ouais. Allez, c'est pas grave. Non. Oh oui. Il faut quel vraiment jeu. Des gaps. Hein. Si vous êtes, si t'as, faut vraiment m'en j'en ai une, j'ai rien récup là sur lui aussi. Hein. Ah. Ah. Bah, comme par hasard, lui. On tire. Non, je suis chaud, non. Non, frère. Non, on a pas les heals, on a. Ah ouais, bof. Ouais, bah, je suis mort. Après, ouais, moi j'ai speed de régène quoi. Je suis obligé. C'est que je peux les drain vu que j'ai régène. Ah, t'as encore? En vrai, ouais, vas-y, go, si t'as encore, vas-y, go. Mais genre, laissez-moi prendre lane du coup. Ah non, les gars, venez fight, frère, c'est bon aussi. La régène, ouais, go. Ça a rien, les gars. Oh, lui vol. Tête de one, lui vol. Non, j'arrive. Oh. Vas-y. Sur moi. Nice. J'arrive à la meurt pas, je suis là, Alan. Lulu est parti, t'inquiète. Ouais, vas-y. J'ai plus de cap. Oh, vas-y, frère, ça part trop vite en fait, le heal. Ouais, bon. Oh, il a perdu. Tiens, Alan, je t'en passe une, j'en ai plus qu'une aussi. Bon, viens, on va sur Nulu, ça sert à rien. Vas-y. Nulu, les ah non, j'ai plus. Vas-y, viens, on y va. Tu t'es fait soulever par Lulé ou quoi là? Non, c'est juste que j'ai voulu le fight, mais au moment où je l'ai fight, j'avais plus la régène là. J'ai une gap, je vous le dis. Ah, mais oui, tiens, j'en ai récupéré sur l'autre, attends. Tiens. Ouais, tu t'en as combien là? J'ai bien des gaps, j'ai plus de gap, je suis à 4 curines. Ah bah là, okay, les gars, les rouges, là, Lulu, venez, ils sont là. Ah, mais du coup, faites gaffe les gars, il y a Foxtec, à tout moment il nous pile. Hein. Oui, mais là, de toute façon. C'est vrai. Il y a les chirons derrière eux. Oh, je les enchaîne. Hein. Faut que tu n'y ailles pas. C'est bon ça. J'arrive, Alan. Les gars derrière, allo. Y'a qui? Y'a l'invi. Non, mais c'est pas moi, putain, t'es. Je peux faire un sort pendant. Merde, oh non, j'ai annulé. Ouais, c'est bon ça. Les gars, sur moi. Excuse. Oui, mais c'est le Chiro. Non, fais gaffe, j'ai plus de heal. Force. Oh, Fox, tu forces par contre, sérieux. Les gars, ça force. Hein. J'ai plus rien. Ah ouais, non, mais c'est bah, on peut plus jouer. On a plus de heal alors que les ranges ils ont pas fight de la game en fait. Pourquoi ils nous fight ils nous tapent nous? Luvolt, j'ai plus rien. J'ai plus rien. Je suis à 4 coeurs, 0 gap. Mais moi, rien faire. Faut y aller. Mais eh ouais, mais il a câblé, normal. Ah, désolé, mais ça jouait pas, ça m'a saoulé. Mais oui, il joue c'est pas. Foxtec, il doit jouer avec nous aussi. Hein. Mais non, Foxtec nous tire dessus, frère. Ouais, mais. Vas-y, prends ton truc et on y va, frère. Ouais.
J'ai plus de gap. Rien faire contre lui, c'est bon. Les Shiro, passez une gap au moins si vous avez, j'ai plus rien. Je peux pas vous aider. Je prends trop. C'est moi ça, trop. Les gars, sur moi. J'arrive plus. Tu mets le con. Non. Bah, yes. Les gars, à l'aide. Oh la catastrophe. Les gars. Oh putain. Oh non, pas toi. Il a récup les gaps, cet enfoiré. Faut que c'est... Quel enfoiré. Qu'est-ce qu'il y a? T'as récup les gaps, frère, j'ai plus rien. Non, j'ai plus rien. T'es où, Youlélé? Oh, là, c'est la merde. Bah, faut que c'est que tu te démerdes, t'as récup toutes les gaps, frère. Oui, y'a pas de soucis, je vais faire de mon mieux. Ouais, bah, je vais pas t'aider, gros. Hein. Tiens, les gars. Oh, mon frère. J'ai tué... Ah oh, ouais, mais non, mais là, c'est la merde. Ouais, j'ai que ça. Frère, je peux faire un move encore. Non, toi, tu... Oh, oh non, bah bon, frère, laisse. Je le bute, il lag. Non, je vais te buter, frérot. Hein. Non, je t'ai dit, tu te butes pas, les gars. Il voulait buter, frère. Hein. Ça t'a l'air. Réfléchissez éventuellement. Tête de Wam, on te bute, frère, hein, c'est bon. J'ai speed aussi, à moins que t'as speed 2. Ah, mais t'inquiète, frère, je suis plus intelligent que toi, là, sur ce coup. Ah bah, GG, c'est bien. Dis-moi qu'il avait des gaps. Oui. Juste récupère-moi. On se tire. Tiens. On tampon. Viens. Good luck. Ouais, merci, frère. Frère, j'ai fait un truc. Normalement, t'as un truc en plus. Ah oui, exact. Ah ouais, mais j'ai encore mon truc. Oui, mais normalement, t'as encore un truc en plus, donc on est bien. Faut pas qu'on sépare, les gars. C'est pas. Là, on s'enferme vers la bordure. Ah oui. Quoi, c'est bon, va par là, Pega. Oui, il est en dehors des gaps. Ah non, c'est mauvais. Cours, Pega. T'inquiète. Ok, il est seul lui, hein. Go, viens. Moi. Attends. Les gars. Derrière toi, Pega. On est derrière toi. Prends ton temps, Pega, prends ton temps. Fight pas. T'inquiète, je suis bien. Ok, go sur lui. Il a dit ça, je paye la gap, je pense. Voilà, tempo avec l'arc, tranquille. C'est relou. Reste plus beaucoup pour moi. Mais c'est chiant, tout à l'heure ça m'a bouffé deux gaps. Ouais. Oh. Oh, ça va être dur. Coucou. Oh, les gars, il est low. J'avais deux perles. Viens toi. Il est tout seul. Attends, faut aller surnuler. Ah ouais, non. Oh, il était à 6. Ouais, c'est pas grave, mais tu l'as vachement drain, c'est le principal. Il a plus de gap. C'est bon, l'autre il a plus de vie, hein. T'as pas encore? Non, je m'en fous, avant de faire un all-in, on attend que t'as ton truc, hein. Oh. Allez, par contre, j'aimerais bien avoir l'item là. Putain. Oh là là. En moins. J'allais dire. Ok, GG. Tu l'as tué à l'arc? Oui. La gap pitié. Bien, oui. En fait, le problème c'est qu'on avait plus de gap. Ah, vous aussi? Ah, c'est la merde, hein. Mais. Les gars, t'as combien? T'inquiète, je suis bien. Ah, ouais, vous avez encore des gaps? J'ai encore ce qu'il faut, si t'as besoin. T'inquiète, frérot. Faut pas tuer le Shiro. Bah, il va arrêter de team avec eux, genre. Mystery, ils ont encore des gaps, non, plus. Moi, je sais que vous en avez quand même quelques-uns, frère. Mais bien sûr qu'ils en ont, frère. Les gars. Ouais. On pense quoi? Ce que je t'ai dit depuis le début. Et oui. Y en a une au kill ou pas? Une gap? Ouais. Vas-y, go. Ce fight, ça va être terrible. Ah ouais, ça a des potions là. Ouais, frère. Wow. Ah ouais. Fais gaffe, tu me viens. Ouais. Mais alors lui. Le bonheur. GG. Oh là 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 là. Et voilà, c'est ainsi que cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit like, ça me ferait vraiment super plaisir. Et si vous êtes resté jusqu'ici, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire avec le petit hashtag AC, tout simplement. Vous l'aurez remarqué, pour beaucoup, c'était une des premières games en Assassination Classroom UHC, y compris pour moi, notamment dans les stratégies et les particularités des rôles. Avec moi, par exemple, vu que je ne savais pas que lorsque je paralysais quelqu'un, je ne pouvais pas lui mettre de dégâts, ou encore avec les tentacules de Nulele qui revenaient toutes les 5 minutes. Mais bon, au final, il y a la victoire.
l'histoire au bout, on s'est régalé et c'est le principal. Écoutez, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Je vous donne rendez-vous ce soir sur ma chaîne Twitch, mais également la semaine prochaine, même jour, même heure, pour une nouvelle vidéo. C'était Megaphil, je vous fais des bisous, à très bientôt, ciao ciao.